travaille à l'Institut pour le développement forestier et j'anime au niveau technique le groupe de travail national châtaignier qui travaille sur, comme son nom l'indique, sur la sylviculture du châtaignier. Donc c'est l'amélioration du châtaignier en vue de produire du bois d'œuvre. Donc le châtaignier en France, c'est la deuxième essence feuillue. Hein, c'est une essence très importante qui couvre un peu moins d'un million d'hectares. Donc qui est présent sur des territoires allant de la Normandie jusqu'au Piémont pyrénéen et qui est présent aussi dans le sud-est de la France avec une présence aussi à noter en Alsace. Donc c'est une essence particulièrement importante en termes de production de bois d'œuvre. Le châtaignier n'a pas toujours eu les faveurs des forestiers. Pourquoi ? Parce qu'il était de tradition paysanne et nourricière. Et pour eux, les forestiers, eux qui étaient de tradition aristocratique et militaire, c'était un bois du pauvre, un bois non noble. Ajoutez à cela, le déclin rapide du verger à fruits après la Seconde Guerre mondiale font que la châtaignerie à bois, alors qu'elle occupe la troisième place en surface des essences feuillues françaises après le chêne et le hêtre, ressemble plus à une friche agricole qu'à une forêt de production. Il n'empêche que c'est un bois qui offre de multiples qualités et que son utilisation est remise au goût du jour dans plusieurs pays européens. Proche du chêne, botaniquement parlant, il en a des qualités comparables, avec l'avantage de croître plus rapidement, de rejeter de souche avec plus de facilité et de se contenter de sols plus pauvres. À Cassagnouz, en châtaigneraie cantalienne, près d'Aurillac, la scierie de Didier Dureuil travaille le bois de châtaignier. Cette essence lui permet la réalisation d'ouvrages de menuiserie qui bénéficient encore d'une bonne demande. Je suis installé depuis 2003, octobre 2003. Et avant, j'avais été au lycée à Decazeville, faire Aubin exactement, faire un CAP, un BEP et un bac pro politique bois. Donc je travaille le châtaignier, pas mal de châtaigniers pour faire surtout les volets. Je fais un petit peu de meubles avec. J'ai fait des escaliers et surtout des planchers en châtaignier. Donc moi j'achète des châtaigniers sur pied que je tronçonne, ensuite je débite à la scie. Quand on l'achète, après il faut laisser à peu près un an dans le bois, bien à l'ombre et tout, pendant un an. Ensuite, quand il est passé à la scie, pour sécher, c'est à peu près 1 cm par an. Donc un plateau de 5 cm, il faut à peu près 5 ans pour qu'il soit sec, bien sec, pour le travailler et pour faire de la menuiserie. Donc le châtaignier, moi je travaille beaucoup de châtaigniers sauvages, donc c'est des petits arbres. Donc qui dit petits arbres, petites planches, enfin pas très large, et donc beaucoup de pertes. Mais l'avantage, c'est que pour faire des volets, par exemple, c'est un bois qui résiste très très bien aux intempéries. Et est-ce que c'est un bois qui se travaille facilement par rapport à d'autres bois ou plus... Oui, il se travaille assez bien, oui. Oui. Facile à raboter, à poncer et à travailler. Quoi. Quand le châtaignier a été coupé dans le bois, donc avec l'aide de camion, on l'amène jusqu'à l'atelier. Donc à l'atelier, je vais prendre une bille de châtaignier que je vais amener à la scie pour le débiter en planche ou en plateau suivant l'utilisation qu'il aura dans le futur. Donc l'arbre est monté sur le chariot de la scierie, aligné suivant sa courbure, suivant la forme de la bille, on va dire. Ensuite, il passe dans la scie donc, pour faire les différentes épaisseurs.
Ensuite, ces planches, il faudra les empiler sur des litos pour les laisser sécher pendant X années suivant les épaisseurs. Quand le bois est sec, donc on prend les planches une après l'autre pour débiter suivant l'utilisation qu'on a à faire. On les passe d'abord à la scie à format pour débiter des lames pour enlever les côtés du bois, pour faire naviver, on appelle. Ensuite, il va falloir le dégauchir parce que le bois en séchant il se voile un petit peu. Donc il faut le dégauchir pour le rendre bien plan. Et la partie plane d'équerre au champ. Donc tout ça, on le fait à dégauchisseuse. Ensuite, quand ces deux faces sont prêtes, on les passe à la raboteuse pour le calibrer en épaisseur et en largeur. Et ensuite, on va donc faire une petite moulure à la toupie, un petit arrondi qu'on fait à la toupie. Donc le châtaignier en patois, on appelle ça du pézal. Des châtaigniers sauvages, ou péjal, pas toi. Le châtaignier en France, c'est une sylviculture du taillis, c'est-à-dire que à l'exploitation du châtaignier, il rejette naturellement, il y a des rejets, et le forestier va favoriser les meilleurs rejets sur la souche, et par des éclaircies successives lui permettre de croître le mieux possible pour produire des bois de fortes dimensions et produire ainsi de l'agrumes, mais aussi tout un autre type de produit qui est des bois de plus petites dimensions qui servent à la production de piquets, de clôtures et qui est aussi une production très très importante en France, notamment dans les secteurs comme le Limousin ou le Périgord Limousin. La France, c'est le premier pays en termes d'importance du châtaignier en Europe, hein, donc c'est excessivement important. Il y a à peu près 2 millions d'hectares au niveau de l'Europe, au niveau du châtaignier, et à peu près 50% est en France. À l'origine, beaucoup du châtaignier était pour le fruit, et puis avec l'arrivée des maladies, la désertification dans les campagnes et puis les premières maladies, le châtaignier a été converti dans la châtaignerie à fruits, a été converti en châtaignier à bois, donc en forêt. Et donc c'est comme ça que le châtaignier occupe une place très très importante dans nos forêts. Il n'y avait pas de tradition de sylviculture du châtaignier. On en faisait surtout des bois de petite dimension. Et puis après, dans les vergers, on pouvait exploiter des bois de forte dimension, comme dans les Cévennes, pour en faire des poutres, mais il n'y avait pas cette tradition de sylviculture qui a été très forte sur le chêne, hein, traditionnellement, qui est forte. Et en France, elle est arrivée plus tardivement, et notamment dans le nord de la France, qui est un secteur assez productif en châtaignier aujourd'hui, elle est importante. Pourquoi ? Parce que après les années 80 et en 87 précisément, il y a eu une tempête en Bretagne, et les acheteurs de bois du sud de l'Europe sont venus acheter du bois dans le nord, ce qui a permis d'amorcer une sylviculture, notamment dans ce secteur où ils existaient pas de sylviculture et les potentialités de croissance sont fortes pour le châtaignier. Mais aujourd'hui, on est quand même dans cette tradition encore où
le bois d'œuvre est plus acheté par les pays du sud de l'Europe qu'en France. Les bois de forte dimension. Donc quand je parle de pays du sud, je pense à l'Espagne, au Portugal et à l'Italie qui ont une forte tradition sur le châtaignier, notamment le châtaignier en parquet par exemple. On est à la Croix-Blanche, à Saint-Martin-de-Beauvau, en Lozère, en plein pays de châtaigniers, en plein massif de châtaigniers, où mon installation a été possible grâce à faire finalement une pluriactivité au niveau du cursus agricole, puisque les arbres étaient en place de châtaigniers, et ils se faisaient avant moi, du côté de mon père, ou même moi, à titre de vacances, je travaillais ailleurs avant l'installation, et je ramassais juste les châtaignes. Et les camions venaient chercher les châtaignes dans la propriété et partaient. Mais ça ne permet pas une installation et vivre sur ça, puisque c'est des petits prix. Dans les Cévennes, bon nombre d'exploitants agricoles ont des châtaigniers à fruits et aussi des taillis de châtaigniers, plus ou moins entretenus, qu'ils peuvent utiliser à d'autres fins. Serge Bruguière a tenté de se diversifier, afin de trouver une complémentarité à ses revenus générés par la châtaignerie fruitière. Il est difficile, aujourd'hui, surtout en zone de montagne, de pouvoir vivre uniquement d'une châtaignerie fruitière. Il faut donc être plus réactif en cherchant d'autres occupations et d'autres sources de revenus. Passionné par la vannerie, il a souhaité à la fois produire des ouvrages en bois de châtaignier pour les vendre et en vivre, mais aussi prendre soin de transmettre son savoir aux générations nouvelles, aux nouveaux venus dans le pays. On travaille les épaisseurs, en fait, c'est toujours un inclinant le plus épais. On arrive à refaire. Après, on peut reprendre dans l'autre morceau et faire pareil encore. On arrive à le... Vraiment, le fait que les fibres sont en long, ça permet de faire ce genre de travail et d'obtenir différentes sections dans le morceau de bois. Différentes lattes. Là, on est de nouveau dans le nœud. Ah, ça va. Donc, on peut couper le châtaignier pour tout ce qui est usage. Si on n'a pas d'étuve pour le bois, on essaie de prendre un moment où il n'y a pas de sève à l'intérieur. Donc les anciens nous ont appris encore à récolter en lune dernier quartier par vent du nord, comme aujourd'hui. L'intérêt de créer cette diversification, c'était par rapport au massif où il y a quand même pas mal de matières premières qui n'est pas exploitée. Et en fait, ça a été ça mon idée en me promenant, en me disant cette matière première, autrefois il s'en faisait quelque chose, ce bois de châtaignier qui est présent, en plus des arbres qui font les fruits. Donc moi, je me suis lancé là-dedans. Et après avoir un petit peu voyagé, voir un peu comment ça se passait dans d'autres régions de France, je me suis installé dans ce cadre-là. Donc la propriété sur 6 hectares d'arbres greffés. Et puis autour, il y a des endroits où il y a des bonnes stations pour le châtaignier à bois. Et effectivement, c'est jamais sur les mêmes terrains parce que la production fruitière a une exigence qui n'est pas la même pour la production de bois. Mais c'est toujours le même arbre, un sauvage, l'autre greffé. Voilà. Et l'intérêt, c'est que la matière première, il n'y a pas d'achat extérieur à faire. Ce n'est qu'après, il faut savoir transformer cette matière pour pouvoir la décliner sous différentes formes dans la vannerie de châtaignier. Sachant qu'on fait de la vannerie pour ce qui est des objets, mais je fais aussi des aménagements dans les jardins. Pour tenir des terrains, par exemple, on peut très bien utiliser aussi le bois de châtaignier, on peut aller jusqu'au piqué, on peut aller... Après, chacun trouve sa place dans la filière. Je veux dire, moi, je ne fais pas tout dans le châtaignier, mais voilà. C'est ce qui est intéressant par rapport à cette matière première. Donc, c'est un travail qui se fait l'hiver parce que le châtaignier a des qualités de durabilité exceptionnelles dans la mesure où on respecte son cycle de vie, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler le bois de châtaignier en sève. Donc, sachant qu'on ne travaillera pas la vannerie, le bois de châtaignier, en plein été ou au printemps. On va faire ces travaux qui vont se faire comme actuellement, à partir du mois de novembre jusqu'à fin mars, tant qu'il n'y a pas de sève à l'intérieur. Ça permet sans traitement de conserver le bois pendant des années, puisqu'on fait des réparations de pièces qui sont centenaires. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de continuer sur cette idée-là.
Et après, ben, c'est tout un travail qui est décliné avec un petit peu d'outillage qu'il faut créer parce que il n'y a pas non plus, c'est une filière qui n'est pas structurée. Ça part d'une filière où les paysans faisaient des paniers sur leurs genoux le soir devant la cheminée. Et aujourd'hui, on a un peu de matériel pour pouvoir un petit peu réduire le temps de fabrication qui était excessivement long. Dans la vannerie, on utilise le châtaignier parce qu'en fait, il a un défaut majeur. Par exemple, je vais prendre l'exemple, un défaut majeur, c'est sa refente. Mais dans le cadre de notre métier, de mon métier, la refente, c'est un avantage. Parce que justement, moi, je veux pouvoir faire des éclisses, ce qu'on appelle éclisses, c'est français ce mot-là, c'est un bois refendu. Donc, nous, vous voyez bien qu'on décline le panier avec des morceaux qui sont plus fins, d'autres plus gros. Et on exploite ce défaut de la matière, qui est des fibres en long, qu'on va pouvoir inciser et refendre tout le long. Ça c'est intéressant parce que, en fait, si on est vannier, c'est intéressant. Si vous êtes charpentier, c'est un inconvénient. Voilà, les charpentiers, ils vont prendre des bois qui ont essayé de ne pas fendre, quoi, plutôt. Et cette capacité de refendre, c'est particulier au châtaignier? Ça ne peut pas se faire sur d'autres arbres? Ça se fait sur d'autres matières, on utilise. Mais en fait, ce qui est important ici, c'est que c'est toujours l'idée que la matière première est présente sur le territoire. Et l'action de l'homme est importante parce qu'aujourd'hui sur le territoire, il y a moins de pasteurisation avec les troupeaux qui y sont plus. Les châtaignes poussent un peu de partout, le taillis se développe et la matière première est présente et personne ne l'utilise. Donc d'autres matières qui se fendent, il en existe. Il y a du noisetier, on peut faire avec du houx, on peut faire avec du frêne, on peut faire avec du chêne. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant ici, c'est que la matière première est présente partout. Quoi. Enfin, elle, c'est pas la même partout, mais quand on sait la choisir, elle est intéressante. Plusieurs niveaux la complémentarité parce qu'en fait ça fait un revenu agricole qui est intéressant. Les gens qui sont dans la châtaigne ont besoin de matériel quand ils font les marchés pour exposer leurs trucs, ils peuvent faire des corvées pour ramasser, on peut faire du matériel de ramassage aussi, des paniers, il y a un panier à châtaigne qui existe, qui est bien particulier. Donc de toute manière la complémentarité elle est même dans la saison parce qu'en fait on travaille l'hiver les paniers. Et on travaille plutôt au printemps les greffages des arbres fruitiers, le nettoyage des châtaigneries, le ramassage jusqu'à fin octobre. Donc c'est vraiment la complémentarité, pour mon sens, elle est parfaite sur une année. Quoi. On est tout le temps de l'année dans le châtaignier. Et quand on n'y est pas trop, on reçoit encore une autre activité, c'est de faire l'agro-tourisme, c'est-à-dire recevoir un petit peu des gens qui sont en hébergement à droite à gauche. Et un peu de décoder un peu ce métier de castanéiculteur ou ce métier de vannier. Et on a une authenticité par rapport à ça qui est exceptionnelle, quoi. Je veux dire, par rapport à des gens qui viennent ici, s'ils ont fait la démarche de venir ici, quand ils sont là, ils voient bien qu'il y a une authenticité qui émane de partout. Quoi. Je veux dire, quand on pense que même le châtaignier, il est là en bardage de mur, bon, il vient de la propriété. Donc voilà, quoi. Este centro está impulsado por el gobierno del Principado de Asturias y tiene participación el sector empresarial y por tanto nos ocupamos de incentivar proyectos de desarrollo e innovación en toda la cadena de valor monte-industria.
la situación del castaño es similar a la que tiene en otras zonas de Europa. Digamos que hay situaciones distintas en función de la evolución que haya tenido en los últimos siglos el castaño en cada región. En el norte de España, donde hay una actividad industrial más importante, ha habido un abandono del castaño y del campo, y por tanto ese castaño ya no es un castaño de fruta, es un castaño que se ha cortado y es un castaño que ha evolucionado a un monte de castaño para madera. Aquí, por ejemplo, en nuestra región, más del 95% está en manos de propietarios particulares y la administración pública tiene muy poca superficie, aproximadamente 2.000 hectáreas, mientras que podemos tener casi 135.000 hectáreas de castaño. La mayor parte del castaño forestal está en esta región. En esta zona de la península ibérica, donde ha habido un abandono de la actividad de fruta, la corta de los castaños de fruta ha generado un monte bajo que genera fustes que no son de muy buena calidad, pero tenemos unas condiciones de crecimiento de cultivo realmente buenas por las condiciones de lluvia y temperatura que tenemos en esta zona atlántica de la península ibérica, y eso condiciona unas condiciones de crecimiento muy buenas para el castaño y una producción de una madera excepcional, de una calidad excepcionalmente buena respecto a otras zonas de Europa, lo que hace que haya surgido en torno a este recurso una cantidad importante de pequeñas empresas de transformación, tanto de primera transformación como de segunda transformación. Por eso en esta zona de Europa se concentran importantes empresas que transforman esta madera. El castaño, yo recuerdo que cuando en los años a finales de 60, 70 comenzaron a venir las maderas tropicales, y claro, venían tablones anchos, limpio, y decía, oye, pero mira qué madera más buena y tal, y la gente decía, sí, sí, pero como el castaño no lo hay, mucho mejor el castaño, la durabilidad y bueno, no sé. En pequeña escala se han establecido incentivaciones con la política agraria común de la Comunidad Europea de plantaciones de frondosas, y se ha plantado alguna superficie representativa de castaño, híbridos de castaño y castaña sativa. Aquí hay diversas variedades, diversos clones, y lo hemos hecho en conjunto con Lourizán de Pontevedra. Que está creciendo muy rápido. Tienes la corteza así lisa, muy gris, tiene mucha fuerza y crece muy rápido, entonces la corteza no le da tiempo a formarse con esa estructura que tú dices que ves en un castaño muy antiguo. ¿Porque tendría que formar esa estructura? Cuando dejara de crecer, sí, se formarían esas estructuras. Si tú no le quitas la competencia, el castaño deja de crecer y poco a poco se va generando una corteza distinta de aspecto. Cuando es así lisa, gris, justo con ese gris, es un castaño que está creciendo muy, muy rápido. Aquí tenéis a vosotros que hacer un estudio particular. Mira, esto todavía... Este tenía que secar en teoría. Si el sancro sigue creciendo, sí. Pero este, por ejemplo, fue muy virulento. Mira, entró hacia adentro. Mira, sí. Mira esto que está, mira. Sí. Cuando se deprime, se va adentro. Pero ahora hay que saber si muere o no muere. Pues en principio... a lo mejor no. Pero mira, mira dónde está. Cuando se mete así para adentro, que se deprime así, ya sabes, tú lo has visto mil veces. Sí, sí, sí. Estos son muy, muy virulentos. La cuestión es que dejen de serlo. Ah, sí, este es muy virulento. Sí, porque mira, ves, se mete esto hacia adentro, la corteza, sí, se mete hacia adentro y acaba llegando a la médula. ¿Ves? Entonces, si es muy grande, el árbol se puede secar. ¿Esta es la preocupación mayor en el bosque, no, el cancro? No. Ahora lo que se ha visto con las experiencias francesas, y es lo que estamos viendo aquí con Pedro, es que cuando tú haces una gestión y dejas los mejores árboles tienen capacidad para responder mejor ante la presencia de los hongos, porque tienes menos competencia y el árbol se defiende mejor del hongo. La gente lo ve como una cierta preocupación, donde hay muchos problemas sanitarios
No se recomienda hacer una gestión intensiva, pero si hay algunos problemas, no se evita hacerla, ¿vale? Se intenta hacer. Desde el punto de vista de valorización hay dos aspectos. Uno, lo que sería la utilización de la madera de castaño para uso de carpintería y usos tradicionales relacionados con el mueble. Y por otra parte, la madera de construcción. En la madera de construcción, la principal limitación que tiene esta madera para ser utilizada es la falta de normativa europea. Italia ha desarrollado una normativa recientemente, posteriormente lo ha hecho España. Nosotros lideramos ese proyecto a escala estatal para poder tener una norma estructural de la madera de castaño en España. Y Francia recientemente ha finalizado también la suya con un proyecto similar, que entiendo que se publicará probablemente en 2016-2017, de tal forma que en Europa solo hay tres países que tienen ahora mismo una norma para utilizar la madera estructural de castaño, que serían Italia, España y Francia. El castaño es una especie dentro de las frondosas que podríamos considerar de crecimiento rápido, no tan rápido como el eucalipto, pero sí de crecimiento rápido. Tiene grandes desafíos, tiene varios problemas sanitarios importantes que afectan a la salud de sus bosques, el chancro, la tinta, la avispilla del castaño. Y sin embargo, al margen de estos desafíos, tiene un potencial importante porque es una madera que en determinadas condiciones es prácticamente comparable a algunas maderas tropicales, con lo cual el potencial que tiene de uso por su durabilidad en exterior y su futuro, pues en principio, con innovación y con desarrollo de productos, pues puede tener un gran futuro. El castaño siempre fue, independientemente de la carpintería de muebles, la carpintería de la construcción de la vivienda, la construcción de la vivienda popular aquí en Asturias, yo creo que el 95% de la madera que se empleaba era castaño, no era otra madera. Y si empleaban algo de roble era porque no encontraban castaño, pero el roble era un mal menor. Siempre la gente iba al castaño por la estabilidad, además que dura algo más que el roble. Pero luego, mismamente, para los cierres de fincas, para las varas, es decir, para la huerta, hasta incluso se hacían cajas, antiguamente las cajas que llevaban las gallinas eran hasta de palos de castaño. Entonces, era una madera que, bueno, ya no solamente eso, sino que incluso había una industria aquí en varias riberas, sobre todo haciendo cestería y todo esto, que el castaño era, y había un montón de puestos de trabajo para eso. Claro, yo es que cuando empecé de bien joven con el castaño, recuerdo que había una época que con la madera delgada lo que se hacía era madera para hacer pipas y toneles para el vino, incluso en aquella época hasta se hacía mucho para el aceite que se exportaba para Rusia. Pero luego vino otra época, aquello luego pasó, vinieron los plásticos, hubo una época también importante para parqué, para tarima, que también siempre se empleó, pero antiguamente se empleaba muy ancho, luego vino lo delgado, se aprovechaba para hacer tarimas. Más adelante vino la época de que se aprovechaba lo delgado, porque se aprovechaba el tronco delgado que valía para hacer las puertas de cocina. Se empleó mucho en el mueble, en el mueble macizo, el tradicional de Kío, el estilo provenzal. Y bueno, ahora en estos mismos momentos, pues pasado todos estos ciclos y cambian y las modas y el IKEA y la globalización, no sé, muchas variables. Ahora prácticamente se hace muy poco mueble, o sea, más bien mueble de diseño, y ahora pues ha cambiado para otros productos de la construcción, de la carpintería, y como vigas laminadas en castaño. Los hórreos, lo que hay es la rehabilitación de hórreos, y eso es una pequeña venta que es habitual aquí, porque todos los hórreos, bueno, con el tiempo a veces hay que ir reparando, y eso sí, sí se hace. Se mantiene, y la rehabilitación de las propias casas, incluso pues palacios antiguos, casas medievales, casas antiguas,
y cuando se va a buscar la rehabilitación se encuentra en que lo que había antiguamente era castaño, y entonces sí nos suelen pedir castaño para eso. Dentro del mundo de las maderas, el castaño es un poco parecido a lo que ocurre con el uso del cerdo. Es aprovechable todo. En el castaño se pueden aprovechar para obtención de productos químicos, para obtención de taninos, que es un desarrollo importante que tiene muchísimo futuro. Se puede utilizar para bioenergía, para desarrollo de productos de carpintería, para desarrollo de productos de construcción. Hay una gama de productos importante en el desarrollo de productos laminados, microlaminados, tableros alistonados, tableros laminados, tableros contralaminados, vigas laminadas, perfiles para ventanas, para cerramientos. Hay un abanico grande de posibilidades porque la madera tiene esa facilidad. Desde una fase joven de crecimiento del árbol hasta que se puede cortar con 40 o 50 años, hay un gran abanico de posibilidades a lo largo de la vida útil de estos árboles. Somos 65 personas, hay dos equipos explotando explotación forestal, que son los que se encargan de cortar la madera y de traerla aquí al aserradero, que es donde hacemos tabla y tablón y lo secamos. Y luego más tarde tenemos Sirolán abajo, donde ahí hacemos castaños sobre todo, aunque también utilizamos otras maderas, donde ahí ya hacemos pues laminados y hacemos tarimas y hacemos diversos productos. El mayor problema que hay aquí en Asturias es el minifundio. Entonces hay mucha artesanía porque, como esto era pequeños huertos, que todas las familias tenían un castañedo, dos o tres, y claro, pero son pequeñas dimensiones, como aquí normalmente la propiedad, los padres dividían los montes, y entonces te encuentras que hay muchas divisiones, ¿no? Pero, y también otro de los pequeños problemas, como normalmente el castaño lo plantaban en las zonas malas. La mejor zona era para el maíz o para otras cosas. Las zonas malas iba el castaño, que era lo más inclinado, lo más pendiente y lo peor. Y entonces la explotación aquí del castaño no es fácil. Tenemos un inconveniente que normalmente los bosques de castaño están detrás de los pueblos, están hacia el monte. Y claro, encontramos con pueblos muy antiguos que no caben ni los coches siquiera. Es uno de los pequeños problemas de infraestructura que aquí tenemos.
Pero dicho esto, el castaño, yo, claro, yo soy un enamorado del castaño y yo veo que es un árbol, creo yo que biológicamente es un árbol que va muy bien porque desde el fruto, desde la madera que se utiliza para todo, porque cualquier paisano del pueblo va que si saca un poco de leña, que si coja aquello para cualquier cosa del trabajo. O sea, el castaño aquí es muy útil a nivel popular de la gente, ya independientemente que incluso industrialmente cuando se logra hacer los castaños grandes, pues es una de las maderas que, como a mí me decía un italiano, aquí en Italia se valora el castaño a igual calidad que el mejor roble alemán, tiene el mismo precio o algo más, que también es más difícil de conseguir. Me lo explicaba el italiano. Por esa zona. Es una zona muy bonita. Bueno, pues sube para allá. Y aquí a continuación está lo del puerto de San Lorenzo, que es otro valle, que hay un valle también de bosques de castaños muy bonito, se llama el Monte Mil. Y es todo castaño, todo castaño. Historiquement, sur le châtaignier, il n'y a jamais eu de travail sur l'amélioration génétique, dans le sens où on va sélectionner les arbres les plus beaux,
les plus résistants dans nos peuplements, en termes de résistants, en termes de maladies, hein, par rapport aux différentes maladies que sont l'encre, le chancre et aujourd'hui le sinips. Il n'y a jamais eu de sélection génétique des arbres les plus beaux. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on aimerait bien travailler sur cet axe-là pour justement favoriser des variétés qui soient plus résistantes par rapport aux maladies, qui aient une bonne conformation de croissance. Et puis aussi, dans un contexte de changement du climat, c'est un axe important pour préserver nos châtaigneraies. Et tout simplement, c'est une essence sur laquelle, ça peut paraître étonnant, mais il n'y a eu aucun travaux sur l'amélioration génétique de ces arbres pour la production forestière, Jean-Paul. Qui semblait efficace, donc on a montré qu'on pouvait l'utiliser. Et la deuxième difficulté qu'on avait, c'était d'aller poser ces anneaux de confusion sexuelle sur les arbres. Et ça, c'est l'innovation de l'année, c'est de s'appuyer sur des méthodologies un peu innovantes, là c'est le drone, pour aller déposer ces anneaux de confusion sexuelle. C'est sur des plaques complexes, il y a une atmosphère qui est vraiment très bien contrôlée pour favoriser en fait la transition entre le milieu du bocal et le... C'est-à-dire que c'est des sites sur lesquels on a des plantations qu'on récolte et qu'on conduit comme un producteur. Donc sur le site ici de Dordogne, sur le site du Lot-et-Garonne et sur le site du Limousin. En sud-ouest, il y a un verger qui a été bâti sur deux variétés hybrides, Marigoule et Bouche de Bétizac. Marigoule, c'est plus de 80% des vergers du Grand Sud-Ouest. Et Marigoule, c'est un gros facteur limitant pour sa production. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on maîtrise très mal la biologie florale du châtaignier. La pollinisation, ce sont des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Donc dans l'amélioration de ce facteur, ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est travailler sur l'aspect génétique pour trouver des pollinisateurs qui seraient... adapté à Marigoule. Justement, on pourrait faire le parallèle entre la pollinisation, la vigueur, ça existait dans le CTFL. Ça doit exister sur les principaux hybrides. Mais ça existait au butin du CTFL, c'est peut-être le même tableau que je vais vous donner. Pavier, le chancre, pareil, on a des souches hypovirulentes qui permettent, via une méthode d'application, d'apporter une solution. On connaît le remède, on va dire. Par contre, il faut l'appliquer et ça reste toujours un problème économique. Il faut savoir que la grande particularité du châtaignier, c'est que le châtaignier est à bois, hein, est à 80% en forêt privée. Donc c'est vrai que c'est une essence qui a aussi une courte rotation. Donc c'est une sylviculture qui fonctionne bien à l'échelle humaine. On n'est pas sur des cycles de rotation de 200 ans comme le chêne. Donc c'est vrai que la plupart des programmes d'amélioration pour le châtaignier sont menés dans les structures de la forêt privée. Alors, dans ce qu'on a cité dans le groupe de travail, il y a d'abord les propriétaires en eux-mêmes, des propriétaires qui souvent sont avertis, qui connaissent la sylviculture et qui se sont montrés moteurs par rapport à ça et qui ont été à l'initiative du groupe de travail, qui donc, eux, développent les axes sur lesquels on va amorcer les travaux. Par contre, quand vous avez des bons peuplements, il y a tout intérêt à bien régénérer du châtaignier, c'est très facile. Il faut quand même s'en occuper. Donc ça prouve qu'on peut quand même, en adaptant l'essence qui convient, en faisant une sylviculture adaptée, on arrive à faire de la production. Ensuite, il y a la partie recherche. Donc l'INRA, qui travaille plus sur la recherche fondamentale, notamment sur toutes les problématiques de génétique, de résistance aux maladies. On a vu aussi le FCBA qui lui est axé sur justement le programme spécifiquement du génome et les plantations comparatives. Donc on est toujours dans la recherche en amont. Et puis nous, l'Institut pour le développement forestier, on est plus en aval, c'est-à-dire que nous, on va transmettre les travaux de la recherche pour les propriétaires. Et souvent, on s'appuie sur les centres régionaux de la propriété forestière qui, eux, en contact avec le propriétaire, vont nous permettre d'avoir accès à des parcelles où on va pouvoir tester, par exemple, du matériel génétique ou on va pouvoir tester des nouvelles techniques de sylviculture. Souvent, c'est quand même les plus gros, oui. Surtout par rapport au prix d'adhésion. Alors, les enjeux du châtaignier, d'abord, le châtaignier, c'est une essence patrimoniale. C'est une essence qui est présente depuis les âges glaciaires, mais qui a été favorisée principalement au 18e, 19e siècle. Et donc, il y a un enjeu patrimonial de conservation très très fort par rapport à notre histoire, à notre culture. Ça, c'est une image très forte du châtaignier. Aujourd'hui, les enjeux pour le châtaignier, c'est aussi d'innover dans les produits qu'on va fournir en termes de valorisation de son bois, en termes de valorisation de la châtaigne. Et donc, il y a des problématiques auxquelles fait face le châtaignier, c'est des problématiques de maladies. Et des problématiques aussi qui sont très fortes aujourd'hui dans certains secteurs, c'est les problématiques du changement climatique.
Ça, c'est des axes, des endroits où on peut observer des signes de dépérissement. Donc, initier des nouvelles sylvicultures, apporter des améliorations génétiques, c'est quelque chose d'important pour préserver la ressource génétique châtaignière. Toutes les charpentes de la maison de Sévenol sont faites en châtaignier. Et il y avait une série d'Alcasses qui travaillait bien d'ailleurs, qui travaillait que le châtaignier. Et il y a une série encore dans le Gard à Saint-Anne-de-Mérière, en sous-Saint-Romain-de-Douze, qui fait que du châtaignier. C'est un très bon bois.